Salut. Les filles, ça vous dérange si je m'assois ici? Avec cette tenue? Ouais, ça nous dérange. Je suis désolée, mais j'ai vérifié et vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte. Voilà, vous pouvez avoir le repas gratuit. Oh mon Dieu! Que c'est embarrassant! Votre famille est si pauvre que tu dois manger ce mauvais repas gratuit. Je le ferai jamais. Quelle tristesse! Eh bien, c'est pas si mal. Eh bien, nos déjeuners sont préparés par les chefs personnels de notre famille. Profite bien de ton repas gratuit de merde, Heather, la sans-abri. La sans-abri? Oh, tu as laissé tomber ton jeton. Tu peux le rendre, s'il te plaît? J'en ai besoin pour le bus. Non, oh, je peux pas croire que tu sois si fauchée pour prendre les transports en commun. C'est dégoûtant. Tellement horrible. Tu vois cette voiture là-bas? C'est la toute nouvelle Tesla de ma mère. Et ce n'est qu'une seule de nos voitures. C'est cool pour toi, Becky. Je t'aurais bien déposé, mais je voudrais pas salir la voiture avec toi dedans. Becky, allons-y, chérie. Je dois y aller. Ma mère m'emmène faire du shopping chez Gucci. Profite bien du bus. Hey, regarde où tu marches. Pardon. Waouh, toi encore? Oh, attends, ne me dis pas que tu fais du shopping au thrift store. Ben, ouais. J'avais besoin d'acheter une nouvelle chemise pour l'école. C'est tellement dégoûtant. D'abord, tu manges le sale repas de l'école, ensuite tu prends le bus, et maintenant tu achètes les vieux vêtements des autres. Mon Dieu, à quel point tu es pauvre. Becky, je ne peux pas croire que tu viens de lui dire ça. Quoi? Je dis juste la vérité, maman. Jeune fille, il ne faut jamais se moquer des autres. Peu importe. C'est juste Heather, la sans-abri. Tout le monde se moque d'elle. Eh bien, comment te sentirais-tu si quelqu'un se moquait de toi? Tu ne devrais jamais juger les autres avant de te mettre à leur place. Heureusement, on est riches et j'aurai jamais à m'en soucier. C'est là où tu te trompes. Tu viens peut-être d'une famille qui a de l'argent, mais tu ne vas pas traiter les autres de cette façon. À partir de demain, plus de déjeuner traiteur. Tu mangeras le repas de l'école. Et plus de retour en Tesla, tu prendras le bus pour rentrer. Et finis les achats dans les boutiques de créateurs. Tu feras ton shopping à la friperie. Quoi? Maman, non! Tu peux pas faire ça! Tu n'as pas le choix, jeune fille. Becky n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le jour suivant, Becky n'a pas le repas du chef qu'elle mange habituellement. Au lieu de ça, elle doit prendre le déjeuner de l'école. Quand elle essaie de s'asseoir à table avec ses amis, ils se moquent d'elle et ne la laissent même pas s'asseoir avec eux. Becky est dévastée. Et après l'école, la mère de Becky ne vient pas la chercher dans la Tesla. Au lieu de ça, elle doit attendre le bus. Ses amis passent par là et la taquinent. Becky est tellement humiliée. Et enfin, Becky ne peut pas faire du shopping dans la boutique de créateurs. Au lieu de ça, elle doit aller à la friperie. Ses amis la voient quand elle sort et se moquent d'elle encore. Tellement gênée, Becky s'enfuit en larmes. Au bout d'un moment, Becky commence à ressentir ce que ça fait d'être tournée en ridicule. Profite bien de ton sandwich gratuit, Becky la fauchée. Allons-y, on ne voudrait pas qu'on pense que nous sommes amis avec quelqu'un comme elle. T'inquiète pas, je vais m'asseoir avec toi. Heather? Mais pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je sais à quel point les gens peuvent être méchants. Écoute, je suis vraiment désolée de m'être moquée de toi toutes ces fois. J'avais tort. Je suppose qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un traverse
jusqu'à ce qu'on en fasse l'expérience soi-même. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Hey, tu penses qu'on pourrait prendre le bus et aller à la friperie ensemble plus tard? Ouais, j'aimerais bien ça. Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.